Yo tout le monde les gars, c'est Sarka pour l'épisode 2. Donc on se retrouve pour l'épisode 2 les gars. Donc je vais faire la compo, on va jouer contre le Real Madrid dans une heure. Voilà, je vais vous montrer la compo. Je reste en 5-3-2. Je vais juste changer la tactique. Je vais changer la tactique. Je vais enlever le pressing parce que il va y avoir des boulevards. Tac tac, alors ce que je vais faire, on ne va pas presser l'adversaire, on va jouer bas, défensif, non pas garer le bus, on va jouer défensif, passe rapide, on va faire ce qu'on a, je sais pas quoi mettre, une touche de balle, non pas faire tourner derrière, non. J'ai déjà connu ça sur FIFA. Je pense que j'ai vraiment insulté l'adversaire après. Bref, qu'on va mettre construction progressive. Non, on va pas jouer à possession parce qu'on va perdre la balle. Je vais rester sur passe rapide. Je vais rester sur passe rapide. Du coup, voilà les gars. Je vais vous montrer la tactique du Real Madrid. Alors, il me semble qu'ils jouent en 4-4-2-A. Cristiano Ronaldo, Benzema, tac tac tac, ils sont vraiment, il a vraiment une bête d'équipe, très belle équipe. Bon, il y a des joueurs qui sont pas à leur poste, comme Albiol, c'est pas un latéral gauche, Ronaldo c'est un ailier gauche, enfin à l'époque, maintenant il peut jouer partout, hein. Même à l'époque, mais bon, à l'époque il joue plus ailier gauche, du coup voilà, du coup les gars, je vais vous retrouver pour le match, du coup voilà les gars, donc c'est parti. J'espère faire l'exploit, ça va être très très difficile, on espère le contrer avec son 4-4-2-A. Nous on a mis un 5-3-2 contre-attaque. Ronaldo qui ouvre une occasion, face à Nadir qui se blesse, face à Marseillais, de 2015 à 2016. Lucho, 1-0, Bonnard qui marque, 1-0 pour l'Olympique de Marseille. L'exploit est en route, l'exploit est en marche. Donc c'est parti, on espère faire quelque chose en deuxième mi-temps. Donc voilà, un petit 2-0 ce serait parfait. Lucho Gonzalez qui loupe une occasion. Ah là, faut pas les louper ces occasions là, parce qu'on va en avoir rarement. Kaka qui loupe une occasion, ça commence à être chaud. Si on gagne, on est premier avec 4 points. Et le deuxième but de Brandao, et c'est la victoire. La victoire. Les gars, on est premier avec 4 points. C'est un exploit de ouf. Battre le Real Madrid de Kaka, de Raúl, de Cristiano Ronaldo. Le Real Madrid de 2010, pardon. Du coup, voilà les gars, on a gagné ce match. Incroyable exploit. Je pensais pas faire un exploit. Donc notre tactique a fonctionné. Notre tactique a contré le 4-4-2-A du Real Madrid. On est premier avec 4 points. L'AC Milan fait match nul face à Zurich. Du coup voilà. Donc moi je vous dis à l'épisode 3.